Zagreg, c'est une filiale du groupe Heidelberg Cement, premier producteur mondial de granulats et acteur majeur dans les secteurs du ciment et du béton prêt à l'emploi. Zagreg exploite une partie du gisement des Dolomites du groupe Loist au travers d'une convention de partenariat. Et donc nous exploitons les deux premiers étages du gisement des Dolomites de Loist. Donc ces deux premiers étages sont de nature calcaire, tandis que le reste est de nature dolomie. Donc la dolomie est traitée par Loist et nous traitons le calcaire. Loist exécute les tirs de mine sur les deux premiers étages. Ensuite, c'est là que nous intervenons et que nous procédons à l'extraction, au concassage, au criblage des matériaux pour acheminer ensuite les produits ici sur notre usine et fabriquer des concassés nécessaires à l'industrie du béton et également au génie civil. Nous avons trois types de produits. Donc nous avons la fraction 0,4 mm sous forme de sable. Nous avons de 4 à 20 mm, donc qui sont des agrégats. Et nous vendons également depuis peu des moellons de 45 à 250 mm qui sont destinés au renforcement des digues et aussi à remplir les gabions qu'on utilise plus récemment maintenant dans la construction. L'unité de traitement de Zagreg est très récente, elle date de 2008. Les installations sont aussi prévues pour traiter des argiles. 6 machines sont dédicacées à cet effet. En termes de matériel, justement, Zagreg dispose d'un parc de 10 engins, dont un concasseur mobile, un matériel unique en Belgique. Dans les sites carrés en général, donc on retrouve deux types de process. La partie primaire, donc on va réduire la roche déjà dans un premier temps jusqu'à une fraction de 0 à 300 mm. Et on a une partie secondaire où là on va réduire encore ces matériaux et les cribler, éliminer les argiles restants pour obtenir les agrégats vendables pour nos clients. L'usine Zagreg est stratégiquement située en bord de Meuse. C'est d'ailleurs par bateau qu'une part importante de la production est acheminée. Nous produisons plus ou moins 600 000 tonnes de granulats par an. Nous avons plus ou moins 200 000 tonnes qui partent par camion. Zagreg emploie une dizaine de personnes sur le site de Marche-les-Dames.